дивишся інше, але прощаючись, даєш слабину, і небо полилося по спині, так ніби Бог торкнувся мене пальцями. Coucherions sur le sable et partagerions l'air jusqu'à ce que des ouïes nous poussent sur le dos et que tape dans ton ventre de ses poings minuscules le nouveau nageur. Ça se présente très bien, ces soirées autour de la poésie ukrainienne, parce qu'il y a, quand même beaucoup de monde qui vient nous voir. Et ça, c'est un plaisir, parce qu'il y a des personnes qui sont proches de l'Ukraine, mais d'autres qui sont peut-être un peu plus loin aussi de cette culture, et qui veulent vraiment découvrir les poètes, qui veulent découvrir la richesse de la langue, qui veulent entendre à la fois de la poésie en ukrainien, même s'ils ne comprennent pas, et évidemment les traductions françaises que nous avons faites. Donc je pense que c'est des soirées très riches. Tout comme il y a 4 ans, je me tiens devant vous pour vous parler de l'Ukraine, si chère à Vassile, si chère qu'il a donné sa vie pour elle, pour défendre les siens, pour en venir en aide à son peuple. On sent la double influence. On sent que c'est une musique qui nous parle parce qu'il a fait ses études en Italie. Du coup, il a une formation tout à fait classique européenne. Et en même temps, il y a cet esprit slave qui est très très fort. C'est un projet extraordinaire pour Doudaric. Au bout de 3 ans d'existence, de monter un tel projet avec des pièces aussi difficiles pour nous. Donc on est très, très heureux et très fiers qu'on ait pu monter ensemble cette collaboration cette année. Une fierté partagée. 2 ans, c'est court, hein. Et en même temps, c'est long, 2 ans. Je pensais que 2 ans, c'était loin. Même si tous les jours, on y pense, même si tous les 29 du mois, c'est difficile, même si tous les 29 juin, c'est pire, on n'est pas encore 29, mais on y est bientôt. Là, aujourd'hui, c'est très, très dur. Voilà. J'avais entendu beaucoup de choses sur comment ça s'était passé. Mais là, le voir en vrai, j'avoue que j'avais l'impression d'être à côté de lui. C'était le moment épouvantable que les Ukrainiens mettent sous le mot de Holodomor, qui veut dire grosso modo une extermination par la France.